Bonjour, ici Super Canon, c'est ça, on se retrouve pour l'épisode 21 de Pokémon Dark Cuisine, toujours en compagnie de... Lapin. Voilà, de Lapin. Il a changé de tout, il s'appelle Lapin maintenant. Alors comment vas-tu mon Lapin? Très bien mon chou. Non, moi je ne suis pas un chou, je suis un chou à la crème. Oh, putain. Bon, maintenant, allez vous abonner sur la chaîne de Lapin. Vous avez plein de vidéos de Lapin. Ah, oh, désolé. Ah, tu fais ce que tu veux avec des lapins, hein. Ça nous regarde pas. Hein. Connerie, ça. Oui, parce que au dernier épisode, l'épisode qui a duré je ne sais pas combien d'heures ou de minutes, Monsieur Alverno a conclu cette vidéo par un lapin. What the fuck? Le mec, il va poser un lapin, quoi. Oh, on enchaîne les jeux de mots de merde. Jeux de mots de merde, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est ça qu'on aime. On aime les jeux de mode à la con. On aime ça aussi. Puis tout à l'heure, je suis en train de faire des jeux de mode merde. Il y a deux mecs qui sont quittés la vidéo là. Ils ont dit putain, il faut arrêter tout ça. Oh, oh, oh. Il faut arrêter tout ça. Hein? Oui. Bah, c'est de la merde, que veux-tu? C'est quoi? C'est pas mieux que tes bugs avec le lapin. Hein. Hein? Ouais, voilà, lapin. Bon, bah, je vous spoil la fin de cette vidéo. Alferno dira mouton à la fin. Mouton. Mouton. Parce que vous êtes des moutons, voilà. Oh, on parle mal des viewers. Non, vous êtes pas des moutons, vous êtes des bonnes personnes. Et chimpanzés. Et ouais. Oh non, mais je ne permets pas qu'on puisse insulter les viewers de la chaîne Super Arcanin qui sont actuellement au nombre de 24. Alors que sur la chaîne Alferno, ils sont actuellement au chiffre de 30. Sérieux? Ouais, je crois qu'ils vous... Tu as 30 abonnés. Pas sûr. Si ça se trouve, le mec, il a doublé ses vues, il a doublé son nombre d'abonnés actuellement, il est passé de 30 à 200, tu vois, du jour au lendemain, tu comprends pas. What? Oh, si ça arrive, je te jure, j'ai que deux choix. Donc. Attends, si t'as 200 abonnés, c'est déjà bien, hein. T'as une petite communauté, c'est déjà bien. À Croland, il y en a à peu près de 100, à peu près. Vas-y, on leur pixé. Le gros sale qui fait de la pub sur une petite chaîne, quoi. Abonnez-vous. Bah attendez, on est 10. Bon, on va mettre Victini parce que j'aime bien Victini. Putain de sa mère. Putain. Le mec, il nous kick, quoi, comme un gros sale. Il en avait 25 l'autre jour. J'ai 29 abonnés, t'es sérieux? Je sais pas combien t'as d'abonnés. 29, je viens de vérifier. Le mec a 29, bon bah moi je suis gentil moi, tu vois, j'arrondis. J'ai arrondi au centième près. Même si c'est pas le centième. Bon, je fais quoi? J'ai un deux Pokémon en face, si j'aurais su, j'aurais pas vu regarder ce marin. Qui est pas très marin, pour l'avouer. Mmh. Marin, marrant, hein. Mmh. 20 ans d'humour pour ça. Tu me connais mal, je suis le roi de l'humour, moi. Ouais. Kick-off. Oh non, c'est Snack-off. Mais Ma cendre. Ouais, parce que je savais pas que Bikini tenait une note. Comment ça s'appelle? Cendre sacrée, un truc du genre. L'objet de cheat par excellence. Non, je sais pas si c'est un objet de cheat. Bah, allez, fous lui un coup de boule au Ramolos. Le mec vient mettre un coup de boule à Ramolos. Boum. Non, c'est pas un Ramolos, c'est un Flagados. Flagados. Il est tout Flagada maintenant. Oh. Il est tout Flagada. C'est moi ou t'as encore fait un jeu de mots? Ah non, mais là, on parle aux deux mecs qui sont restés là. Hein. Il y a, parmi tous les viewers, il y en a deux qui sont tenus là. Ou qu'ils avaient pas, qu'ils avaient mis mute pendant le temps d'un instant. Ou qui regardent la vidéo sans son, on sait jamais. Hein. Sans son. Oh la blague sans son. Qui sera assez stupide pour faire ça? Je ne sais pas. Ils le disent. Les aveugles. Non, les aveugles, non, ils ont besoin du son, au contraire. Bah... Les sourds aimés plutôt. Oh. Ah là, ils ont besoin du son, ils ont besoin de l'image. Hein. Bon là, il y a deux mecs, je vais pas les affronter parce que... Fuck it. J'adore comment les mignons... Ils sont pas mignons. Ils te creusent un mur à travers un autre mur. Bah, ils sont pas architectes, hein. Eh, bâtard. Non, mais... C'est des magiciens, là. Désolé de dire, c'est des magiciens. Ok, alors, j'explique aux viewers ce qui s'est passé. J'ai traversé le mur. J'ai pas traversé l'escalier, j'ai traversé le mur. Waouh.
Violent. Que 9 années. Mon enfant, il a été kidnappé par les goons. Oh, il y a un kidnapping. Ah. Chère ma soeur, j'aimerais... Oh, soigne mes Pokémon. Oh, je t'aime. Bon, je suis le professeur Layton. À quoi ressemble votre enfant? À rien. Ok, ça va être dur. Il ressemble à quoi, votre enfant? À rien. Bon, bah, on est mort. Hein. Ok, alors, j'explique. L'enfant, il était dans la pièce à côté. Là, il était sur le pont, le gosse. Ouais. En gros, il suffisait d'aller tout droit et tu le retrouves, le gosse. T'es un officier ou un gros branleur? Parce que là, j'ai des doutes. Les deux. Enfin, parce que le mec, là, il suffisait d'aller dans le truc d'à côté, il le trouve, son gosse. Hein. Cool. Ouais. En gros, c'est ça, fait le sale boulot. Pendant tout ce temps, nous, on va se boire un café. Alors moi je vais faire une sieste pendant que tu fais ça le boulot. Ouais non mais c'est littéralement ça, le mec il te regarde, il dit ouais, bravo mec. Et il va te donner quoi? Il va te donner 200 euros parce que... Ah bravo, vous avez retrouvé mon enfant. Moi j'ai mieux. T'as été chercher mon marteau. Pour te récompenser, je te donne un marteau. Ceux qui auront compris la référence pour mettre un pouce vert. C'est dégueulasse. Pourquoi? C'est dégueulasse parce que tu vois, je me suis acharné sur le même moyade parce que j'ai répondu des moyades et ce bâtard s'est soigné. Oh, connard! Non, mais ce jeu il a la particularité de te rendre fou quoi. Ok, critical hit. Tu comprends pas pourquoi, mais il y a eu un critical hit. C'est une raison de plus pour que je ne les joue jamais. Ah non, mais les versions hack, tu peux tomber sur des versions complètement putes. Hein. Celle-là, c'est le cas. Feu follet! Oh là là, le truc qu'on est feu follet. C'est une version pute. Pourquoi tu joues? Parce que j'aime le défi. Et je vois ça. Et j'aime bien crier. Ça se voit, hein, aussi. Yep. Autant dans Victory Fire, j'ai rarement crié. Bah si, j'ai quand même crié beaucoup de fois, mais c'est parce que j'étais un incompétent. Autant là, c'est parce que le jeu le veut bien. Beaucoup de fois? Beaucoup de fois? Beaucoup de fois. C'est pas français, ça. Beaucoup de fois parce que, surtout contre Wood, le deuxième champion qui est complètement abusé du cul. Car Philalik connaît morsure, plaquage. Comme ça, de tête, tu te dis, ouais, bon, plaquage, morsure, ouais, c'est faisable. Non, le mec, il te one-shot avec son Philalik. Mmh. J'ai un MP3 de la marque Sony. Oh là là, le mec, il fait des placements de produits de malade. Nope, c'est bah, pas vrai. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sony. Pas, ni par Microsoft, hein, parce que on va rendre l'équilibre. Ah, je dis juste que j'ai ça. Non, je ne suis pas... Personne ne reçoit de chèque de Sony ou de Microsoft ici. Étant donné que je ne fais aucun jeu de Sony. Personne à part moi. Non, j'ai connu. C'est une blague. Tu devais pas faire un jour un let's play sur Spyro? Bah j'ai pas, Spyro. T'avais fait une vidéo sur Spyro, ça je m'en souviens. Oui c'était une vidéo, je sais pas quoi. je ne sais plus, je n'ai pas de mémoire. Bon, j'ai battu le premier goon. Attends, c'était une vidéo annonce. Ou blabla, si tu ouais. Mon Victini niveau 49, on en parle. Victini veut apprendre Brobois, ok. D'accord, il a pris Stunner Punch et Point Éclair. Ouais, c'est la même chose. Point Éclair et Point de Feu, et là il veut apprendre Brobois. Ok. Non, tu n'apprendras pas Brobois. Gounette a perdu. Je suis en train de récupérer toutes les musiques dans mon MP3 et je les mets sur mon PC. Bien. 200 gigas. Est-ce que je t'explique? 200. J'ai plein de musiques sur mon MP3 que je n'ai pas sur ma Play. Enfin, que j'avais mis sur la Play à la base parce que les musiques j'étais chargé plus avec la Play parce que j'avais pas encore de PC. Maintenant que j'ai le PC, je transfère toutes les musiques sur mon PC. Mais je les laisse aussi sur la Play, on sait jamais. Et grâce à ma soeur, j'ai une petite clé USB qu'elle m'a donnée. Clé USB, enfin, petit cadeau. Combien de gigas la clé USB? Ouais. C'est déjà pas mal. Tu peux mettre au moins une vidéo dessus. Bah deux, plusieurs vidéos. Plusieurs. Plusieurs. Ouais, plusieurs. 4-5 je crois.
Même plus, hein. Bon, le cher pédo est mort. Ça, ça dépend. Ça dépend de la durée, ça dépend de la qualité et compagnie. Ouais. T'as plein de facteurs. Oui, c'est clair que si du 1080p, là, tu vas. C'est clair que là, ça va prendre la place. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais Sonic Raider? Ça me dit quelque chose. Raider, Zero Gravity, c'est une musique géniale. C'est un pote qui me l'a montré, franchement. Qui me l'a écouté. Comment l'a refait à côté? Du coup, je l'ai pas la chargé, wesh. Comment tu vas te faire choper par Adopi? Par Adopi. C'est quoi? C'est une loi qui interdit aux gens de télécharger illégalement. Mais. Ah, mais c'est des musiques libres de droit, je pense. Non, mais illégalement, c'est-à-dire, tu l'as pas acheté, t'as Adopi sur ton cul. Mais Adopi, c'est tellement une grosse daube. T'as vraiment, si t'as un email de Adopi, c'est vraiment une merde. si tu reçois un email de Adopi, c'était vraiment une merde. Hein. Parce que c'est vraiment à chier, Adopi. Hein. Tu peux télécharger tout ce que tu veux. Si... T'as vraiment très peu de chance de te faire choper par Adopi. Je suis le roi du monde. Plouf. Ah, je sais pas mâcher. Parce que oui, on est sur le Titanic, là. Hein. Sonne mes Pokémon, salope. Sonne mes Pokémon, salope. Tu me donnes rien. Eh, mais il y a cambriolage. J'ai sauvé ton gosse, je te signale. Mais je reçois rien. T'as illégalité, quoi. C'est la dernière fois que je sauve des gosses, moi. D'accord. Il y a 6 gounettes sur le pont, là. Le mec il gueule quoi, il y a pas sa récompense. Putain j'ai pas été récompensé, bah. J'ai sauvé ton gosse, tu me donnes quoi? Des remerciements? Ouais bah je te crasse au visage avec tes remerciements. Pierrot a encore disparu. Le fou? Sniff. Pierrot le fou, hein? La folle, c'est Pierrot le fou. Pierrot, c'est un nom fait. Non, c'est une fille, je te dis. Tu sais, on est libre de changer de sexe. Hein. T'es en train de dégénérer. Connard, mon ami. Ah bah t'es pute. Jotoé. Ouais, Jotoé. Lui il a quel déo, hein, je te signale. Connard. Ouais, lui il a quel déo, hein. Moi j'ai Victini. Il hein. A quel déo. Victini contre quel déo? Caillot, ok, le mec s'appelle Mayo. Ciné contre Mayo. Oh, il y a la Mayo qui affronte le ciné, quoi. Oh là là. Je vais te tuer. Ah là là, il y a du meurtre. Oh là là, Sydney, t'es vraiment de merde. Je vais te kicker. Toi, t'es mignon. Oh, c'est mignon. Désolé. J'espère que ce gars est pas trop cheat. Quoi? C'est bon, c'est le moment de perdre. C'est le moment de perdre, Kaios. Moi, je l'appelle Mayo. Kaios. Kaios, ouais. Ça me rappelle Dragon Ball Z. Je sais pas pourquoi. Le mec envoie un Moacir alors que moi j'ai un Victini, quoi. Au revoir la victime. Ah, il s'appelle Caillou le mec. Mon rive, le mec qui ressemble à Silver dans. T'as le sprite de Silver. Bon, si je me souviens bien, il a des Pokémon très cheat, hein, le Caillou. Runiclus. Je sais même pas comment j'ai une musique sur mon PC. Oui, t'as des musiques. De jeu. Alors, Runiclus, c'est symbiose. Bon, bah, j'irai mon signal, au revoir. Ah oui, niveau 52, le truc. Ah oui, il reste bien, dis donc. Soin. D'accord. Tu veux un Kinder Bruno? En fait, juste, l'une de tes vidéos que t'as faites, pourquoi tu l'as pas mis? Pourquoi tu as mis en non répertorié? Parce qu'il y a déjà la vidéo, mais elle est buggée. Hein? Du coup, bah, je l'ai mis dans la description de la vidéo. Qu'on entend. Ton clavier ça, non? Non, c'est ma clé USB. T'as un petit clic qui permet de l'ouvrir et de la fermer. Comme la bouche. Hop, t'as un clic, la clé sort, un autre clic, ça ferme. Hop. Ouais, je me demandais c'est quoi qu'on entendait. Bon, machin, tu veux mourir? Fatal Foudre! Fatal Foudre!
le truc qu'on est Fatal Foudre. Fatal Foudre, comme on dit. Oh, il paralyse. Eh non, mais attends, mais c'est la fête du sleeve, vas-y. Parce que, pour ceux qui le sauraient pas, Fatal Foudre a très peu de chances de paralyser. Hein. Oh, vas-y, Vitini. Oh, Vitini, le survivant de l'enfer, quoi. Le mec, quoi, il lui reste 6 points de vie. 6 points de vie. Combien? Il s'est mangé un Fatal Foudre, il s'est mangé une ballon, il s'est tout mangé, il est encore debout, tout. Mais attends, Vitini, en fait, c'est ouais, bah, c'est le Pokémon de la victoire, hein, il porte bien son nom, disons. Alors, son prochain Pokémon, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de le savoir. J'ai envoyé Tourny, même si... Ah, il lui reste 3 Pokémon ah. Dinoré. Eh, je suis vraiment un champion, quoi. Dinoré est fait contre le type combat. Hein. Bon, certes, il est plus rapide, mais ça, on s'en branle. Parce que je connais Casse-Brique. x4, le Casse-Brique. Ça va faire mal. What the fuck? T'as le stab de mes couilles, là. Coup critique, oh bah tiens, bien fait pour ta gueule. Zoroark. J'adore Zoroark. C'est une star. Alors là, il y a hésitation. Mais il est bête, pourquoi il a pas mis... Ah oui, non, c'est vrai, il a pas illusion dans cette version. What the fuck, niveau 54. Il font... Bute-le pas. Ça marche. Putain, mais il est rapide, Zoroark. Putain, mais il résiste, Zoroark. Lance l'âme, d'accord. And I have another problem with this. D'accord, le Zoroark qui a craqué son pantalon. Sachant qu'il lui reste un autre Pokémon. Lance l'âme, d'accord. Zoroark, il est trop classe. Tu lis. Attaque Dragon, choc. J'aime Zoro. Bon, tu sais, à la contrepartie, j'ai peut-être pas Draco... Slash. What the fuck? C'est quoi cette attaque de cheater? Tranche ombre, ok. Tranche griffe. Tranche nuit, oh là. Putain, le truc m'a one-shot, quoi. Bon, bah... Ok. Rends le confus purple, ça serait tellement bien. Même pas, putain, la confusion, ça m'arrive jamais, quoi. Tu peux crever pour avoir... Ah, mais mignon, ils étaient tu peux crever cachés. Pour avoir la confusion. Allez, rends le confus. Mais punaise. Et en plus, il se soigne. Putain, mais non. Le mec soigne son Zoroark, mais les autres Pokémon, nos F. Une ras-le-bol. Mais je veux pas le reconfus. Ça fait 5 fois que tu es à Bibraqua et il est zéro confus alors que lui quand il fait une attaque c'est direct la paralysie quoi. Attends. What the fuck. Oh non mais le jeu il triche quoi. C'est un jeu de tricheur, moi je le dis. Oh, le jeu ne supporte pas que tu gagnes du coup. Bah c'est littéralement ça quoi mais... Déjà le Zeblis qui meurt parce qu'il le Tentacru il lui reste un point de vie, il me tue, ouais. Ok, le Zoroark qui... Déjà il est niveau 54, déjà je trouve ça un peu abusé qu'il soit niveau 54. What? Alors que j'ai deux badges. Ils sont trouvés, ils sont sérieux. Lance la main, on voit. 54. J'ai à peine un Pokémon qui va bientôt atteindre le niveau 50. Ouais, bah il m'a battu, mais... La honte, hein. Monsieur a utilisé une hyper potion, aucun honneur. Hein. Et je repop où? Ouais, ça, il est perdu. Ouais, ça, il a perdu parce que l'autre, il triche. Bah, j'ai perdu un Pokémon inutilement contre les sbires. Et comme dans cette ville de merde, il n'y a pas de rappel, il ne peut pas rappeler mes Pokémon. Super, j'adore. Ça fait 3 heures que vous êtes avec ce mec, hein. Il serait peut-être temps de le lâcher. Hein. Ils sont en train d'affronter un mec depuis 3 heures, quoi. Mais j'ai pas voulu rentrer dans cette grue. Ça va, et vous? Vous allez bien? Ouais. Merde, je me suis trompé de zone. Très bien, et toi, mon chou? Non. À la crème.
Suffit. Bon, j'aimerais quand même battre Mayo avant la fin de cet épisode. Ouais, il s'appelle Kayo, mais non, ça ressemble à Mayo alors. Kayo, Mayo. Kayos. Ouais, c'est Kayo, mais il n'y a pas de S à la fin de son nom. Bon. Ah. C'est qui, je sais pas. J'affronte des mecs au pif, il y a tellement de gens dans ce jeu que je ne sais pas qui j'affronte quoi. Oh. En fait, ils s'inventent des persos quoi. Bon, ton Zoar qui m'a sérieusement broyé les couilles. Sens propre. Il m'a vraiment broyé les couilles, donc j'aimerais tout de même le. Déjà son premier Pokémon, je le one shot. Son deuxième, je le one shot. Son troisième, je le one shot. C'est son quatrième qui est chiant. Bon, point de feu. Au revoir, comment il s'appelle, Noisier. Galios, il a fait découvrir un jeu sympa, je trouve. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Il a fait découvrir un jeu amateur super sympa, en anglais. Tu devrais essayer. Je sais pas ce que c'est quoi le nom. C'est un jeu Pokémon encore. Mais c'est un jeu entièrement fait à la main. Il y a les graphismes un peu de la 4G, mais les musiques sont inédites. La plupart ne sont pas de musique du jeu. Ouais, j'avoue. Si tu pouvais le rendre confus. Ah, suffit de demander. Tu veux que je te cherche le lien pour après? Peut-être. Par contre, si t'es pas bien de pas déranger, mec. T'as oublié. De toute façon, y a pas beaucoup de gens qui m'appellent sur Skype. Allez, Victini. Fais-nous un grand chelem, Victini, oui. Ah bon? Et si je fais ça? Oui, on t'entend. Le vieux troll. Oui, Victini, c'est ça qu'on aime, Victini. Si je t'envoie un fichier, ça va pas... Ça va peut-être laguer. Oh là là, vite. Non mais si tu le télécharges pas, non, ça lagera pas. Bon, je sais pas. Et si tu commences à le télécharger, ça va laguer. Bah l'épisode est bientôt fini, hein, je pense. Si tu me dis que tu lagues... Ouais, si ça se trouve, l'épisode ne fait que 10 minutes. Ils vont avoir un épisode de 10 minutes, ils vont dire what? Ça, tu te moques de nous, là? Casse-brique! Allez. Oh! Toi... Mayo utilise un hyper potion, vas-y. En nous du rêve. Bah utilise tes hyper potions sur ton Dinori qui est sûr de mourir. C'est tellement plus classe. Ah, le jeu il s'appelle Pokémon Legend. Je crois que je l'ai déjà là. Sur Rump Station. Oui, je crois qu'il... C'est sérieux? Ouais, c'est parce qu'il est sorti récemment, je crois. Il y a pas longtemps. Ouais, s'il est dessus, moi... Zoroark. Son dernier Pokémon, il me semble que c'est Eritrioxydre. Ok, il se place le truc. Je suis mal là. Ouais, j'ai pris 5 minutes pour en dehors du jeu. Et tu sais quoi, ils ont déjà bien creusé. Hein. Au revoir, Tourny. J'adore le mignon. Je le vois se barrer. Il repart. Il revient, et pendant ce temps-là, ça continue de creuser tout seul. Allez, Drano, non, c'est là, on s'en fout, c'est pas une attaque qui va te faire mal. Et ça creuse tout seul. Ok, il faut se calmer là sur les hémorroïdes, là, il faut se calmer. T'as le machin, son lance-lame qui fait super mal. Aïe, oh, résistant de malade. Mania, bute. Non! Il a 5 points de vie. Putain, bâtard, va. Bon, c'était un point de vie, quoi. T'es sérieux, quoi. Bon, bah, je cherche sur internet pour voir si je le trouve. Lance-lame. Bute-le. Il lui reste un point de vie, mais vous êtes sérieux? Putain, pour un point de vie, quoi. C'est quoi ce dégoût du jeu, quoi? Bon, heureusement que Vitini, il a fait une attaque feu sur un type feu, logique. Et rayon signal, au revoir, monsieur. Vous repasserez quand vous serez calmé.
C'est à ce moment-là que je mets une musique trop épique contre son Slilou. Ah non, il a Diamat encore. Ah, il a encore Diamat, hein. On devrait faire une vidéo à deux sur le jeu Survivor. Survivor. C'est le jeu qui fait tellement... Ouais, le jeu qui fait tellement peur, là. Ça a un jeu à la Slender. Ça se joue en coop. Ouais. Non, mais tu meurs pas. Sachant que tu sais jamais si le monstre il va s'attaquer à toi ou bien à ton pote. Ouais, bah dans tous les coups, ça sera moi. Bah, c'est jamais, mais c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire. Je te garantis que la dernière fois que j'ai joué, c'est génial. Les mecs ont joué. C'est une torture. Bah, moi, la torture mentale, c'est que c'est ce que je viens de rendre confus son Diamat alors qu'il venait de me lui rendre un full restore. Ah, comment ça s'appelle? Un total soin. Bon bah j'ai battu Mayo. Hein. Et à bout la monnaie. Pfft. C'est quoi ce bruit de truc qui se brise dans le jeu? L'appel a été Mayo, ouais. Mon rival. Ah ouais, je suis ton rival, attendez. C'est pas vrai, prends la place de ce. Eh, Sydney! Nope, il me le trouve pas. Il me trouve pas sur ton truc. C'est moi. Tu m'as vu. Je suis en train de lire en fait. Ah, il veut me soigner. Ah non, c'est moi qui le soigne. Merci pour ton aide. Pokémon Star Drop version. C'est cousu. Deux Dragon. Kaio, one because il a. Dispose ce que des locataires comme une toute nouvelle région. Ah, de no... J'ai enfin région, eu ma première CS. Ma première CS au bout de 22 ouais. Épisodes. Ah, ça parle de Rigiram et de Zekrom. Bah alors le jeu, ça parle de... Ils sont en train de parler de Zekrom et de Black and White. Cap. Ah, sérieux? Bah, ça parle qu'il y a un dragon blanc et un dragon noir, quoi. Bon, le travail, tu as battu ce gars. Ouais, avec la coop. Je peux inventer Serena maintenant? Merci de nous avoir sur le monde. Bip. Diamant. J'ai trouvé du diamant encore. Il y a un étage génial dans le bateau. Sans faire le moindre effort. Ouais, on est déjà allé au étage au-dessus. Bon, j'ai pas envie de tout visiter, tant pis si je perds de l'XP. On va affronter Serena. Si c'est le même design que Serena dans le jeu. Ah, on peut retourner quand on veut au bateau. C'est bien. Bon, est-ce que je peux aller affronter Serena maintenant? What the fuck? Je vais te battre maintenant, ok? Je savais pas qu'on pouvait aller sur cette partie de la route. Tissa. Elle tissa des liens et mourra. Ah, il me reste 3 Pokémon, n'empêche. Ah, j'étais peut-être trop joué le YOLO. Bon, rayon signal, au revoir monsieur Cadavre. Non, Alakazam. Voilà. Bon, bah pour cette fin d'épisode, on va aller voir la reine Serena. Qui sera sans doute une arène électrique, je pense. Je ne sais pas. Bah, j'ai un type sol, ça va. Et si je perds, bah, je ferai une séance de leveling en full speed. Wouah! Star Drop version, l'image du jeu, elle est géniale. Suicune est tellement bien fait dessus. Le mec, il va télécharger. Je télécharge. Je prends. Mais elle est en langue. Cette ROM, elle m'a l'air géniale. C'est pas une arène ça. Une toute nouvelle région, de nouveaux personnages arrivent. C'est pas une arène ça. Sérieux? Attends, on peut même voyager dans le temps. Je peux peut-être avoir mon Caracagos. Mais sinon, contre Tangaeo. Les articles d'arbres. Waouh, des Pokéballs dorés. What? Des mini-jeux amusants. Ok. Ce jeu m'a l'air juste génial en fait. Métronome. Ouais, bah ça c'est comme dans Evoli peut évoluer de 7 façons, non, de 8 façons. Ouais, c'est 8 façons. Evoli. Il a 8 Evoli. C'est quoi cette arène? Il a 8 Evoli. Mais c'est pas une arène, tu te fous de moi? Bah ça me dit que je suis dans une arène, mais je suis pas une arène. C'est un laboratoire. C'est quoi si c'est pas une arène?
Flal. Bah, il est pas là. Elle est où le champion? Bon, je vais avoir la Carapagos. Mais ça me sert à rien parce que je vais pas le prendre. Okay. C'est une photo du labo du Dr Fuji. Ah bah ça c'est copié de... Bon bah... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais elle est où la reine? Ok, le mec me voit à 10 cases. Ah Pokémon, mythique c'est une arène à ciel ouvert. D'accord. D'accord, en fait c'est pas une arène. Une arène à ciel ouvert. Tu peux... Comment t'expliquer? En gros, c'est une route, c'est comme si c'était une route. Et les dresseurs, ils sont sur cette route et le champion est à la fin de la route. C'est pas une arène, en fait, c'est pas dans un bâtiment, en gros, c'est une route. Putain, c'est ce que j'ai compris. C'est le cas, ça me fait bizarre aussi. C'est bizarre. Ah, je suis débile, j'aurais dû faire... Ah, c'est au final, c'était une arène psy. Parce que je viens de rencontrer deux... Elle a deux Pokémon psy, la meuf que je suis en train d'affronter. Pokémon Diamant. Ok. Pokémon Diamant. Bon, prochain tour, ils sont tous les deux die. Je suis tellement en train d'entrer des victimes qu'il est passé niveau 50 ce truc. Alors qu'il était niveau 35 quand je l'ai eu. Attends. Les monstres peuvent parler vous suit tout au long du jeu. Quand un combat, on se bat avec le monstre qui nous suit. C'est quoi le nom du jeu? What? Diamant. Pokémon Diamant. Ah, c'est en bas si c'est les versions couleur. Ah, et t'en apprends Brave Bird. Ah, mais l'espèce de Pokémon sur la boîte est très bizarre. Le truc, il apprend Rapace, quoi. Et t'en vient d'apprendre Rapace. Ah, c'est pas mal. Monsieur, et on appelle... Brightburn, un brave pigeon. What? Un Pokémon juste tout au long du jeu. Quand un combat a lieu, on se bat avec le monstre qui nous suit. Et on appelle les autres sur leur portable. Si, c'est une fac, c'est vraiment ça. C'est un endroit où nos amis... Vous voyez les gens, il a monté 18 niveaux. Hein. Ça tape même se paumer en route. Ils peuvent se paumer, t'es sérieux? Les monstres peuvent également... C'est quoi cette version Mac? Mais c'est elle la championne! Dans des branchements différents à chaque... Mais c'est pas une arène, tu te fous de ma gueule! What? Mais attends, y'a un truc là! Oh, le mec a un Flagados et un Wagada. Ok, Pokémon Diamant, c'est vraiment un jeu très bizarre. Attends, tu joues à Pokémon Dark Rising? Oui, je sais, il y a Dark Rising 2. Il y en a un 2. Et il y a la suite de Victory Fire, c'est Resolute Fire. Resolute Version. D'accord. Il y a également Pokémon Kaya. Kaira, plutôt. Hein. Vous êtes un enfant en se réveillant dans le petit niveau 51, vous êtes au milieu d'un étrange désert. Puis à nouveau, vous réalisez que ce n'est encore qu'un rêve. Un rêve très étrange, on ne peut pas vous persuader. Ouais, l'arène est une arène type psy. Oh! Pokémon Glazed. Pokémon Crystal Dust. Crystal gelé. Crystal gelé? Oh. Bah, Dust. Dust. C'est quoi Dust? C'est-à-dire quoi? Ouais, poussière de diamant. Poussière de diamant. Poussière de cristal. Stardust, par exemple, ça veut dire. Dust, c'est poussière. Ouais, non, poussière c'est de cristal. Cristal Dust. Donc poussière de cristal. Ça va. Alors Mild Challenge. Ah tu sais, Pokémon Prism. Magic Coil, c'est quoi ça? Barrière magique, je sais pas. Point éclair, on voit. Pokémon Ruby Destiny 2. Rescue Ranger. Ok. Ce deuxième est vraiment différent beaucoup du premier, l'histoire est inspirée des Pokémon Mystery Donjon. Star Wars, oh putain. What? Mais une sorte de donjon mystère. Ah, t'es sérieux? Ouais. Pokémon Ruby Destiny 2. Alors, ce deuxième remarque différent beaucoup du premier. Diffère beaucoup du premier, pardon. L'histoire est inspirée des Pokémon Mystery Dungeon. Le héros, le jour de son anniversaire, est pris d'un malaise et se retrouve dans la peau d'un Pikachu. Le jeu est fort différent de Pokémon Ruby. Depuis quand que je cherchais une version hack de Donjon Mystère? Oui, il m'a l'air ça.
Ah, moi, dans l'anglais, ça me gêne pas. En anglais, c'est traduire un peu. Attends, le jeu est fort différent de Pokémon Ruby. Nous avons affaire à une remarque sympathique qui prend les idées de Mystérieux Donjon, les alliant en combat Pokémon. Non, à quoi ça te ressemble? Sérieux? Alors, incarner un Pikachu, secourir d'autres Pokémon qui ont besoin de votre aide. Les trois personnages principaux, Pikachu, Poussifeu et Germignon, n'évolueront pas. Ah bon? Guérir grâce à la nature des baies et des plantes médicinales. De nouveaux scripts. Version finale, apparemment. Bon, on regarde Sirène. Ce jeu, il a l'air génial. Le seul problème, c'est que c'est en anglais. Moi aussi. Prépare-toi pour une matin si tu n'as jamais expérimenté. Non, mais quand je dis que c'est nul, c'est parce que je ne connais quasiment aucun mot. Ça ne ressemble pas du tout à Serena. Hein. Elle ressemble plus à ici de Pique. C'est dans l'animé. Espion. Espérant. Oh là, Montali. Attends. Bon, bah, je. A tout de suite. Je reviens tout de suite. Bon, là, par contre, ce contre Samantali, il va être chiant. J'ai pas de type ténèbres en plus. J'en aurais pas besoin. Ah, mais non, mais t'es morte à la prochain tour. Ok, elle aussi, elle a que des super potions. Ah. Oh, il lui reste un point de vie, l'humiliation la plus totale de la vie, quoi. Fire Punch. Shadow Ball. Oh, fumier. Ah, non, non, pas. Ouais, c'est turn on fire punch. Oh là là, l'ISP qu'on gagne. Prochain Pokémon, Galan. Galan est un type vol, hein. Et type combat, psy, hein, il me semble. C'est pas Galan, c'est un autre Pokémon. Ouais, non, Galad, je crois pas qu'il y a 100 Pokémon qui ressemblent. Ouais, non, Galan. Oh putain, niveau 40, 53, ce truc. 54 ce truc, oh, un rapace. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont toujours les mêmes attaques. What the fuck? Oh, cette puissance de malade mental. iOS. Oh, je suis plus rapide que lui. Bon, ça devait se jouer. Je devais avoir les mêmes stats que vitesse que lui. Alors du coup, Raptor a attaqué en premier. Garde-voir. J'hésite en fait d'utiliser... utiliser machin, Dranouille. Mais le problème, c'est qu'il a pas une très bonne défense spéciale. Ah oui, au prochain épisode, il y aura sans doute un Drapac. Oh putain. Ouais, putain, il m'a fait peur l'autre. C'était cherché. Bon, je viens de battre son Galad et son Mantali. Là, je suis en train de battre son Galad. Il vient de voir femme en plus. Hein. Fait. T'en es où? Il lui reste deux Pokémon. Gotiltel. Ça doit être... comment il s'appelle? Cinderella. Oh. Un jeu Pokémon avec Zoro Arc sur le plan. Vous rêvez dans ce qui est autrefois la ville de Nishroot. Machoël. Il n'y a aucun souvenir de la façon dont vous tardez. Oui, je entraînerai mes Pokémon pour le prochain épisode. Par contre, le fameux donjon mystère que j'ai trouvé là, je préfère te le dire, c'est à moitié un donjon mystère et l'autre moitié c'est un jeu... Oh, Pokémon expert émeraude. C'est quoi ça? Bah, Vito, a déjà la difficulté accrue. Hein. Je te jure. Ouais, bah celui-là, apparemment, celui-là, c'est pire. Bah là, Vito, Dark Vizy n'est pas facile non plus. Hein. Ruby. Eh, Pokémon Ruby Destiny 2. Ouais, mais il doit pas avoir la même... Le même gameplay. Oula. J'aurais pas dû faire Pokémon ça. Pokémon Battle Fire. Pokémon Ash Quest. Bon bah, Memory Burn est mort. Il reste deux Pokémon maintenant. Oh!
Oui. Hey, Pokémon Ash Quest. C'est Galios qui l'a fait. Quelque chose ? Vas-y, c'est quoi ? Eh ouais. Mais tu touches ma gueule. Dans la liste des jeux que je regarde. Alors Pokémon. Pokémon Black Chaos. Oh là là ! Eh, je vous jure que j'ai utilisé Mvitini là, les gars. Ah non, il a fait juste un full restorm. Eh non, mais j'ai affronté des mecs avec des guérisons, la championne elle a que des super potions. Attends, c'est quoi J'ai un peu l'impression de me faire cambrioler là. Ah, son prochain Pokémon c'est un Cryptero. Oh là là, le design de Cryptero, mon dieu. Et j'ai Pokémon Bronze F et Pokémon Bronze G. C'est le même jeu, mais je sais pas pourquoi il est différent. Bon, il augmente sa défense spéciale en ayant le caca. Broche non. Paris alors, Pokémon Liquid Crystal, rien à foutre. Ah, Pokémon Ruby Destiny 3. Il y a un 3. Sans remarquer le dernier épisode de la trilogie Ruby Destiny. Il semble être le plus réussi. Après l'habituel choix du héros, nous sommes transportés dans une histoire où le chemin et le héros à combattre une sorte d'habitude. De question qui sème le chaos. Je télécharge aussi. Ouah, le Pokémon. Il fait le Pokémon qui montre sur l'image, il est trop bizarre. Je crois que je l'ai dit. On dirait une sorte de Mewtwo, mais à quatre pattes. On dirait une sorte. Si tu veux, c'est une sorte de Mewtwo croisé avec un Evoli. Bon. Trop bizarre. Pour moi, c'est ça. Hein. Mais il est tellement bien fait. Ah, mais t'as des Pokémon. T'as des Pokémon inventés qui sont super bien faits. Non. Ça donne envie de les avoir en vrai dans le jeu. Oh, 30 points de vie. Bute-le avec Thunder Punch, allez, victime. Oui, non. Il reste un point de vie. Pokémon N27, Advantage. Non, mais ce jeu, il me déteste, quoi. Il reste un point de vie, jeu. S'il te plaît. Bon. Il est mort au prochain tour. Résiste. Pas coup critique, pas coup critique, pas coup critique. Oui. Ah. Oh. Ah. Oh. Ce serait pas un Pokémon de CG qu'on voit sur Dark Rising. Eh, c'est bien parce qu'il dérive directement sur la page du deuxième. J'ai gagné mon troisième badge. Le badge mystique. 6048$. Mais c'est quoi c'est... Tes Pokémon sont désormais plus rapides, tu peux utiliser le vol en combat. Sauf que j'ai pas la CS vol. Bah si, je fais... Oh, psycho. Alors par contre, faut en m'expliquer le délire. Pourquoi c'est l'arène? C'est un vulgaire carré en béton. C'est ça, hein, c'est carrément ça. Hein. J'invente rien, tu pourras regarder sur la vidéo, c'est carrément un carré de béton. Il y a 4 dresseurs qui sont en train de se mordre les bouts des pieds. Bon, je continue un petit peu. L'épisode est certes trop long, mais je m'en fous. Regarde. J'ai déjà vu ce... Okay, bah, tu sais, j'ai dû regarder un peu trop ce que je voulais faire après. Bon. Non, c'est un très bon jeu. Pokémon Channel, ça c'est un jeu de merde, il paraît. J'aime pas, moi. C'est pas mon style. Pokémon, je déteste un très bon jeu. Bah, très bon jeu que je n'ai jamais. Bon, les gens, prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? Je vais entraîner cette équipe de bras cassés et peut-être entraîner mon Dranouille pour qu'il devienne un Dratak. Parce que je n'ai pas encore de Dratak. Il évolue dans deux niveaux en Dratak. Ah, bah, il y a une noix de coco, ça devrait pas aller long. Ça devrait pas être très long. Sachant qu'il est presque ni. Ah, vous savez quoi, les gens? Je vais utiliser mon super bonbon. Parce que j'ai des super bonbons, donc autant les utiliser, hein. Je sais, je... C'est pas très... Comment dire... C'est un peu de la fainéantise, mais je m'en fous. Bah, oh, c'est pas de la fainéantise, je pourrais le faire, mais... Content avoir un Dratak dans cet épisode et non dans, entre deux épisodes, hein. Non. Y'a pas de légendaire. Ah si, on va faire un UV. Oh putain, je vous jure que ça va être long pour les entraîner là. Alors là, on est passé à des Pokémon qui dépassent le niveau pratiquement un niveau 40. Là. Donc niveau XP, ça devrait être tellement rapporté. Bon, par contre, les entraîner, ça va être long. Hein. Provoque, ok. Ça me frappe le cul, mon petit salaud.
Ok, boum. Prends bon, un draco shot dans la tête. Mm. Le farfa du veille au sol, il est en train de saigner. Waouh, 810 p. Je monte même pas de niveau. Gamin, je te défie. Je sais pas ce que tu fais comme... C'est quoi ton chemin, mais je m'en fous. Roselia, le Pokémon que j'adore. Non, c'est pas vrai. Je déteste Roselia. C'est mon... Voilà, j'ai en même temps, j'ai Giga, c'est pas bon à charger un jeu comme ça. Magic Leaf, tiens, prends des fleurs. Ouais, je suis rapide. Même pas Giga, hein. C'est 4,66. Mais regardez, il fait 6 mégaoctets. C'est un petit jeu. Là, il en fait 4. Mais les deux autres. Pokémon est bon, ouais, génial ton Pokémon. Je veux jeter une Pokéball sur ta gueule. Eh, non, n'empêche, le jour de son anniversaire, ça ouais, le mec, il y a un masque, il y a un... Ça, c'est pas de chance. Comment s'appelle ce Pokémon, Lianaja? Ah ouais? Lianaja, l'évolution de Vipelière. Lianaja. Point de feu dans la gueule au masque. Ah ouais, j'aime bien Lianaja. Au fait... Dernier faisait t'as pas dit que cet épisode ne ferait pas une heure? Ça fait, je sais pas. Oui, tu sais bien que pourquoi je ne chronomètre pas mes épisodes. C'est au snaps. Je les arrête quand je veux. Bon, mais bon. Tu me l'aurais demandé, je l'aurais fait. J'ai un il doit faire une demi-heure. Bah ouais. Ah, je sais pas. Ils emmerdent. Le mec a mis un chronomètre tout de suite. J'ai mis le chronomètre, perso. Voilà! Bah, l'épisode, de toute façon, va se terminer là, étant donné que je vais peut-être le finir sur l'évolution de Drattak en Bodyslam, ok, plaquage. Ce qui m'énerve, c'est que Dracon n'a pas aucune attaque dragon. La seule attaque dragon qu'il a appris, c'est Dragon Choc. Bon, à la place de Mania. Coup de boule Mania. En fait, juste pour te dire. Qu'est-ce que t'as encore fait? Pokémon Ruby Omega, j'ai un problème sur le jeu. Non mais tu sais pour ouais. Tu sais que tu peux récupérer les QR codes. Ouais, ça se fait. Bah ma 3DS elle peut pas. En fait si tu veux l'appareil photo de ma 3DS il a un bug. Il grisaille et il a un espèce de fond violet. Je sais pas d'où ça vient. Ça fait Ah c'est arrivé quelques mois après que je l'ai. Allez tiens dans attaque, mange un bonbon. Ah oh bah c'est clair. L'attaque, Dranou il aime bien son bonbon. C'est la déception j'en ai dit. Alors évolue maintenant. Quoi? Dranou il évolue. Félicitations, votre Dranou y a évolué en Salamence, mais en français un Drattak. Drattak, ton apprend vol. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Drattak. Hein. Drattak apprend lui tout seul vol à la place de Mania. Et maintenant, je peux aller n'importe où sur la map. Oui. Drattak tente d'apprendre Dragon Dance. Oh. Ah, il essaie d'apprendre dans Draco. Ah bah la place de plaquage. Hein. Voilà, je suis en train de décharger les gens of the Arena. D'attaque, t'en apprends Draco Griff. Non, je déconne. Oh là là, 152 d'attaque. Bon, ça c'est de la merde hein, parce que 152. Mmh. Il est plus fort que Vitini. Est-ce qu'il est plus fort que Dreadburn? Ouais, il est plus fuyant que Dreadburn. Non, en même temps, il y a 7 niveaux de différence. Putain, le monstre, quoi. 171 de points de vie. 122 de vitesse. Ouais, à mon... Eh, hey, mec, à et mon maintenant, avis, je peux aller n'importe où sur la map. Je dis ça, mais j'ai rien. Oh, la liberté. Bon. Je peux pas retourner dans la première ville du jeu. Kurem Den. Ah, on peut avoir Kurem dans le jeu. Ah, ici.
Allez, un désert dans le jeu. Théorème. Attention, l'épisode est bientôt terminé. C'est quoi ? Je vais tester mon Alors, je vais aller rechercher des rappels. Ouais. Ouais. Bon, déjà, c'est la même musique que vous. Je vais tester Vol. Oh oui. C'est le même truc qu'on fait que Ruby Sapphire. Bon, les gens, on va conclure bientôt cet épisode. Hein. Je crois pas que je vais pouvoir avancer encore. L'épisode est bien long. Vous en avez déjà eu une. Un, deux. Attention, le jeu, s'il vous plaît. Voilà. Je suis des FPS. Ah, oui, c'est professeur. Tes rappels. Voilà, j'ai braqué le magasin. Oui. En plus, je vais pas te mentir, mais la transition qu'ils font avec l'enfantation et la nouvelle de Ruby Omega, enfin de Ruby, elle est géniale, je trouve. Il commence avec un truc de. C'est quoi Battle Cave? Attends, j'ai déjà fait la Battle Cave. Putain, ce jeu ne veut rien dire. Ce jeu ne veut rien dire. La map est pas optique, quoi. Ah, c'est trop bien fait. Le Pikachu qu'on a. Il nous demande si c'est une fille ou un garçon. Ah, il y a même la précision avec la queue. Je me suis foutu de la gueule d'un mec qui m'a donné du calcium. Penché. Ouais. Elle a des problèmes, elle a perdu son gosse. Encore ? Elle a perdu son travail ? Putain de bordel. Le mec il a... fait chier, je peux pas. No. Je peux pas mettre le nom entier. Bon. Bon, on va conclure cet épisode, je regarde un peu ce qu'il y a là, grâce il. Alors là, je vais entraîner mes Pokémon à... Merde, ok. Bon, bah, vous avez du supplément, hein, grâce... Non, cheat, ne triche pas. Bah, si, je vais tricher. Compris, bâtard, je vais tricher. Watchdog, ah, ok, un Mirador. Allez, Dranouille. Ouah, il a un drôle de design. On dirait qu'il est tout petit, Dratak. C'est un nain, quoi. Allez, Dratak, vol. Salut. Et fort, lol. Bah t'es déjà un Pikachu dans... Je suis un Pikachu. D'accord, en fait je suis un Pokémon mais... Non mais... Ouais, d'accord. C'est trop bizarre parce que là... Tout le monde est des humains, moi je suis un Pikachu. Normal. Au pire, hein, si vous voulez que Alferno fasse ce jeu, bah... C'est logique. J'ai qu'à aller se le spammer sur sa chaîne. Hein. Au pire, je le ferai. Non, parce que je connais rien en anglais. Mais bon, pour le moment, j'ai déjà plein de projets en cours. J'ai au moins 5 émissions à faire. Enfin bref, chers amis, c'est la fin de cet épisode 21. J'espère qu'il vous aura plu. D'abord, je vais vous dire, c'était Super Arcana, à vous les studios. Et pour conclure cette vidéo, Alfiano aura encore le mot de la fin. Ouais, bah ça, c'est la deuxième fois que tu le fais. Encore un autre mot, parce qu'il faut que ce soit vraiment toi qui l'a. Zut. On va le dernier mot.